beyond 5. L'auteur de cette célèbre chanson n'est plus. La mort a eu raison de Coty François ce 4 août à l'hôpital général de Douala. De suite de maladie, l'ancien membre des Black Steel, auteur de nombreux titres à succès dans les décennies 70, 80 et 90, range son micro à l'âge de 70 ans alors qu'il projetait la célébration de ses 50 années de carrière après le premier rendez-vous. Manqué le 26 mars dernier suite à l'interdiction de l'autorité administrative en raison des risques de propagation dus au Covid-19. Il n'y aura plus de seconde chance car le natif de Bonalea dans le Mungo a pour l'éternité emprunté le chemin de non-retour. L'initiateur du célèbre concours de la chanson devenu music star, Coty François laisse l'univers artistique camerounais orphelin d'un patriage qui a fait flotter le Makossa au firmament. Bien au-delà de la musique, Coty François a fait un passage remarquable en politique. Pendant près de 11 ans, il a été porté à la tête de la commune de Bonalea avant de se consacrer bien après à l'organisation des événements culturels. À l'instar de Fomarik, devenu un rendez-vous incontournable. Depuis des décennies, à Douala, Desto s'en va, laissant un vaste chantier de projets dans le milieu de la culture inachevé. Adieu l'artiste. Il a eu un malaise à un moment. On s'est rendu compte qu'il doit avoir un problème au niveau de l'abdomen. Et on a demandé qu'on lui fasse une opération. On n'a même pas terminé la procédure qu'il s'en est allé. Le vide se fait déjà ressentir. Chaque chose d'un côté, on aura encore qui ? Tout est fini. C'est comme si le ciel tombait sur ma tête. Il m'a demandé de lui composer une chanson. Lorsque je lui disais, papa, il faut qu'on accélère le travail, il dit non, je suis encore solide. Depuis quelques mois, ceux qui arrivent à Yaoundé pour la première fois peuvent se passer des panneaux de signalisation. Juste un bain de poussière et vous êtes rassuré de votre présence effective dans la capitale politique du Cameroun. Ce nouveau visage de l'entrée est de la ville résulte du vaste chantier de construction du nouvel échangeur de Yaoundé engagé depuis fin 2019. Ces dernières semaines, l'entreprise chinoise à pied d'œuvre a accéléré les travaux. Le pays des liens indomptables organise la CAN au mois de janvier prochain et de nombreuses délégations étrangères devraient transiter par cette voie qui croise l'autoroute en construction. Il est évident qu'un tel chantier impacte négativement les commerces riverains et avec son lot d'embouteillages qui ralentit le trafic et donne des insomnies aux conducteurs qui malheureusement n'ont pas d'autres options pour contourner cette tracasserie quotidienne. En attendant la fin des travaux, les populations d'Ahala doivent encore supporter ce bain de poussière, le prix à payer pour le développement. Voici l'image qui illustre la décrépitude de la société humaine. Depuis le début de cette semaine, ce qui était aperçu à distance et qualifié d'affaire des Blancs est finalement dans nos murs. Après le mariage civil à Mondovision, entre le Camerounais Raoul Bengona et son époux suisse, les deux tourtereaux se sont retrouvés au Cameroun à l'occasion d'une cérémonie de la dot d'un membre de la famille. La présence de ces homosexuels en ces lieux est interprétée différemment. Les extrémistes estiment qu'ils ne doivent pas fouler le sol camerounais au regard des lois locales qui condamnent l'homosexualité. Leur seule présence en terre camerounaise est une menace aux mœurs et devrait faire l'objet d'une interpellation immédiate. Et contrairement aux informations véhiculées sur les réseaux sociaux, la dot dont il est question ici est celle de la fille de Raoul Bengona, dont le mariage civil a eu lieu au village Akwa à Konolinga et la bénédiction religieuse le vendredi 6 août à Yaoundé. Ainsi va la vie. Elles sont de plus en plus nombreuses, ces personnes qui, comme Pablo,
exposent leurs articles via les réseaux sociaux. C'est dans l'optique de croître la visibilité de sa boutique de prêt-à-porter, laquelle boutique est située au marché de Vogbia Yaoundé, que ce jeune homme dit s'être lancé dans la vente en ligne il y a plus de 2 ans. La vente en ligne, bon, c'est aussi un moyen, mais ce n'est pas assez fiable comme... Que ce soit sur Facebook, WhatsApp, Instagram ou autre application, tous les moyens sont bons pour faire écouler la marchandise. Un phénomène qui a pris de l'ampleur depuis l'apparition de la COVID-19. Dans le domaine du commerce, vous voyez un peu, il y a les clients spéciaux, donc les clients un peu distraits. Ils n'aiment pas arriver au marché. Et pour cela, on profite des réseaux sociaux. Comme Facebook ou WhatsApp pour le livrer à domicile. Bien qu'ils parviennent à se faire des bénéfices, cette activité peu commune a également ses failles. Donc, pour gérer les clients vraiment en ligne, il faut beaucoup de sacrifices. Il y a les gens qui ne sont pas honnêtes. Les difficultés, il y a souvent la surcharge. Nous sommes souvent surchargés au niveau des difficultés. Bon, parce qu'être en boutique là, subitement, tu peux recevoir une commande, vous voyez. Et ça n'est pas là facile. Hormis ces couacs, la vente en ligne fait aussi face à un grave problème qui est l'arnaque. Car le secteur étant trop ouvert, les personnes de mauvaise foi en profitent pour commettre leur sale besogne. Même si le e-commerce est venu révolutionner le commerce, les uns et les autres devraient faire preuve de plus de vigilance en ce qui concerne le choix des vendeurs. La viande grillée à son quartier général à Yaoundé. Les amoureux des coins gastronomiques connaissent bien le secteur réservé au bon soya. Au quartier briqueterie, les brochettes appelées ici 50-50 constituent un rituel alimentaire pour de nombreux touristes et visiteurs. Nous, on trouve que c'est un peu plus moins cher de ce côté. Et bon, ils font aussi bien. Ah, je sors peut-être loin bien m'assis. Venir acheter ici, c'est parce que je trouve que c'est moins cher. Les 50-50 là, non seulement ils font ça très bien, mais les enfants adorent ça. Et c'est pour cela que chaque fois, nous on quitte Doja pour venir nous ravitailler. Dans cette activité menée en majeure partie par des ressortissants des régions sahéliennes d'Afrique francophone, seuls les vendeurs de ces viandes détiennent le secret de leur réussite. Il y a de quoi détourner les regards de l'objectif de notre caméra lorsqu'il leur est demandé de se prononcer sur leur activité. Nous sommes à la briqueterie, non loin de la mosquée du milieu et dans le secteur réservé à la vente de soya. Il faut dire qu'il y a du beau monde qui part de partout, c'est-à-dire les populations qui partent des différents quartiers de la ville de Yaoundé pour se retrouver ici généralement en après-midi. Question donc de savourer les délices de ce soya qui est vendu au prix de 50-50. C'est très appétissant d'ailleurs. On s'est donner du plaisir à pouvoir le consommer également. En direct de la briqueterie au secteur du 50-50, Armel Ndé et Thierry Fa pour Echo 237. Que le public plébiscite, que la crème de la chanson félicite. Comment oses-tu douter quant à sa réussite? Même Dieu et le diable en frais de nez le mythique. Vos mauvaises langues ne prophétisent rien de bon. À force de nous haïr, vous finirez toujours second. Le génie redéfini prend forme sous le signe d'un son énorme et protéiforme. On n'est pas obligé de s'amouracher l'un l'autre pour reconnaître la valeur d'un travail bien fait. L'objectivité devrait prévaloir sur le ressentiment, mais tu me diras c'est de l'art. Si tu n'aimes pas, passe ton chemin. Si tu n'aimes pas, n'achète pas pour rien. Les choses transcendent toutes les personnes. Pourquoi déblatérer sur ma magie de Rémi Fasol? Je sais par expérience quand c'est bon, ça fait jaser. Tout le monde dit au quartier, c'est le petit sorcier. De sa musique qui marche, franchement, on en a assez. Excès de succès à ce moment. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer.
des malentendus, de malentendants très tendus. On jaillit de notre gloire et de nos textes bien entendus. Parti comme c'est là, comme Ayrton Senna, ça saigne notre formule et l'arène dans laquelle il y a dissension, multiple ascension. D'une jalousie du travail de l'autre qui ne dit son nom. Être S-I-M-P-L, les gens ont mauvaise foi et ça file une peur bleue. Au quartier on écope et ça fout les pellicules. Les imbéciles construisent des discussions de nuls. En définitive, avec grand D, les gens manquent de lecture de faits et d'objectivité. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas vainement, mais il faut pas être trop bêta. Laissez-nous avancer, laissez-nous avancer, laissez-nous avancer, laissez-nous avancer, laissez-nous avancer. Flipper vos femmes à table à midi quand elles mangent. Regarde-toi, Magenta, sans forcer, tu crées des hits qui révolutionnent le rap et son industrie. Assassin, tu assassines le rap, te dis merci. Tu as des belles vidéos et les belles femmes t'apprécient. Tu oublies un peu trop vite ton histoire de petit colis qui fait que toutes les filles veulent visiter ton lit. C'est vrai, c'est vrai, tu as trop raison. Les femmes adorent ce truc, elles ont des démangeaisons. Et quand tu poses, quand tu rappes, c'est du sérieux. C'est du texte, c'est du style et c'est furieux. Et tes musiques, l'effet de tes musiques des mots de tête à tout le public. Et à cette flatterie, tant mieux si ça nous sert. On essaie d'être humble et faire ce qu'on a fait. Laissez-nous avancer.